Lorsque l'on développe une œuvre de cinéma, il faut savoir exactement l'ampleur dramatique que l'on souhaite lui donner pour marquer l'esprit du spectateur. En prenant un certain recul, difficile de trouver des œuvres qui parviennent totalement à aller dans cette optique. Des œuvres aussi importantes, que ce soit pour le cinéma, mais également pour la postérité. Et c'est un peu le propre des chefs-d'œuvre du 7e art de devenir des œuvres qui rentrent dans l'inconscient collectif quasi instantanément, comme des morceaux si braves, si forts, si majeurs, qu'ils marqueront forcément l'histoire. Et par là même, il est souvent difficile de voir cela dès le premier coup d'œil. Et pourtant, nombreux sont les cinéastes qui cherchent à aller dans cette direction, à explorer avec autant de finesse, avec autant de précision et surtout de réussite un sujet, souvent parce qu'ils ne le maîtrisent pas, parfois parce qu'ils ont du mal à pleinement saisir l'intensité et l'importance d'une telle mesure, mais souvent parce qu'il n'est tout simplement pas donné à tout le monde de réussir cela. Nombreux s'y essayent, peu y parviennent, mais le cinéaste ici présent a su transcender cette conception du cinéma pour donner lieu à un film immense. En 1995, Martin Scorsese est déjà au sommet de sa carrière, un sommet duquel il regarde Hollywood avec une certaine passion, mais surtout un profond respect pour ses pairs. Un tel respect qu'il cherche vraiment à se démarquer de la masse en proposant des œuvres démesurées. Encore dans la veine de son immense succès critique et public des Affranchis, le cinéaste américain va explorer un autre domaine au travers de ce chef-d'œuvre intemporel et grandiose qu'est Casino. Il va chercher à explorer une ville, à explorer des personnages presque mythologiques, à explorer une histoire américaine forte, en parlant non seulement d'un sujet qu'il maîtrise, mais en évoquant également la fin d'une époque et le début d'une nouvelle. En réalisant son 17e long métrage, le cinéaste américain devait savoir qu'il allait à jamais livrer presque le film de gangster ultime, en même temps qu'une synthèse magnifique de son cinéma et un testament fort sur son époque. En réalisant Casino, Martin Scorsese a fait le bilan de sa carrière de l'époque et imaginé aussi le futur du cinéma. En s'associant une seconde fois avec le journaliste et romancier Nicolas Spileggi, Scorsese atteint à nouveau des sommets. Synthèse d'un cinéma cherchant à explorer l'idée même de confusion des points de vue, mais également de clarté de récit, énorme fresque du grand banditisme sous-jacent à la ville américaine de la décadence et du vice, couplée à ce récit rocambolesque et romanesque autour d'un amour tout simplement impossible entre un manipulateur et une prédatrice, les deux auteurs se sont tout simplement permis tous les possibles et les acquis qu'ils avaient déjà mis en place sur leur précédent script ensemble. En ne cherchant plus simplement à construire leur fresque sur un seul point de vue, mais en appuyant le récit sur trois personnages principaux, enfin un principal et deux secondaires plus précisément, les deux auteurs transcendent totalement les barrières du genre et nous offrent un récit extrêmement dense, particulièrement juste, imposant par sa forme et son fond, mais surtout splendide par leur maîtrise et leur maestria d'écriture, difficile à retrouver aujourd'hui dans ce même cinéma. Un style d'écriture qui s'est un peu perdu avec le temps, que beaucoup ont cherché à copier, mais que rarement on a revu aussi maîtrisé. Lorsque l'on pense à Casino, on pense surtout à la 7e collaboration entre Martin Scorsese et Robert De Niro. Mais on a tendance aussi à oublier Sharon Stone et Joe Pesci. On a trop souvent tendance à réduire le casting de ce splendide et imposant long métrage au brio d'interprétation et de puissance de Robert De Niro, ce qui est clairement le cas. L'acteur délivrant une prestation tout simplement folle, de bout en bout du métrage, mais ce n'est pas que cela, et heureusement pour nous. On pense bien sûr également à la prestation tout simplement géniale et jouissive de Joe Pesci dans le rôle de Nicky Santoro, l'acteur dépassant totalement sa maîtrise du personnage qu'il jouait dans Les Affranchis, pour proposer un héros dans la même veine, mais beaucoup plus complexe et mystérieux dans les traits de son personnage, apportant du charisme mais également une certaine forme de fascination pour cet anti-héros splendide. Et bien sûr, la beauté incomparable et captivante de Sharon Stone habite totalement le long métrage du cinéaste américain, la jeune actrice délivrant une prestation divine, envoûtante, déroutante, émouvante presque par instant, bref, elle domine totalement son héroïne, la rend aussi détestable que belle. Ces trois acteurs sont la représentation parfaite de la maîtrise qu'a Scorsese à les pousser pour incarner leur personnage. En continuant de travailler avec sa monteuse attitrée Thelma Schoonmaker, Scorsese lui laisse le champ libre pour exprimer toute sa créativité. S'il est indéniable qu'elle n'avait plus rien à prouver depuis longtemps, la monteuse officielle de Scorsese s'est totalement surpassée sur ce métrage, proposant une œuvre ambitieuse mais également inventive et créative au fur et à mesure de son évolution, et Dieu sait qu'avec Martin Scorsese, il faut l'être lorsque l'on voit la densité et l'imposante narration que le metteur en scène américain donne à ses œuvres. Ici, la créatrice donne lieu à un tout qui de bout en bout ne cesse de se renouveler.
que ce soit dans les enchaînements de séquences, que ce soit par le geste avec lequel elle va réussir à équilibrer et densifier le récit au fur et à mesure de son avancée, que ce soit simplement par l'élégance avec laquelle elle va savoir cristalliser une scène ou la sublimer, ou tout simplement la lier à une autre, Shoemaker, c'est exactement comment créer du cinéma avec un rush, puis une musique, comme si grâce à elle, instantanément, la magie opérait, sans avoir besoin de forcer le destin. Rares sont les monteurs capables de transcender le style des réalisateurs qu'ils montent. Mais Thelma Shoemaker fait clairement partie de ces rares créatrices à être capable de le faire. Parce que si l'on enlève la présence du réalisateur américain aux commandes du projet, il me semble difficile d'imaginer quelqu'un d'autre à sa place. Difficile de se dire que n'importe qui pourrait mettre en scène cette œuvre dantesque et folle sur la chute d'une Amérique et la naissance d'un empire capitaliste régi par une seule pensée et une seule maîtrise de l'argent. Difficile de se dire que n'importe quel auteur pourrait totalement emporter ce récit dans les envolées dramatiques et narratives que lui offre le cinéaste américain par son personnage de Sam Rostin ou Nicky Santoro ou Ginger McKenna, tant il sait comment les emporter, comment les dominer, comment les maîtriser et les contrôler face à son objectif. Difficile de pouvoir ne serait-ce qu'un instant imaginer un autre auteur emporter un tel récit, rendre aussi clair un ensemble de petites anecdotes, de petites histoires et de personnages parfois secondaires qui deviennent le temps d'une séquence, le héros principal d'un instant de cinéma suspendu dans le temps. Sans la présence de Martin Scorsese, Casino serait un énième film de mafioso. Mais avec lui, cela devient un chef-d'œuvre moderne et grandiose. C'est à cela que l'on reconnaît un chef-d'œuvre, comme je l'ai déjà dit, à la présence charismatique d'un réalisateur derrière la caméra que personne ne peut lui voler. À la base, j'avais hésité à vous parler de Casino, car j'avais envie d'évoquer La couleur de l'argent, qui est un de mes Scorsese préférés. Mais dernièrement, j'ai eu l'occasion de revoir ce métrage, et face à sa maîtrise, à sa grandeur et à sa puissance, je me suis rappelé mon premier visionnage de ce chef-d'œuvre. Instantanément, sa puissance nous prend aux tripes, et on se retrouve totalement plongé dans un univers maîtrisé, fort, rare même par instant. Bref, on se retrouve face à une œuvre de cinéma tout simplement monumentale, tout simplement unique en son genre, rarement copiée, mais tout simplement jamais égalé. Et c'est cela qui fait la grandeur et la justesse d'un métrage que je ne cesse d'apprécier, d'aimer et de trouver juste parfait. Martin Scorsese est un génie. Casino est l'un de ses plus grands films et je pense que le jour où on fera le bilan de sa filmographie, il ressortira peut-être comme le plus grand.